Mes roues étaient bloquées! Ça a glissé! Ça a glissé! C'est n'importe. Ça a glissé! C'est pas la manette que j'ai tapée. Hein. Je tape pas le matériel. Je ne frappe pas mon matériel. Je suis pas un imbécile. Ça a tellement glissé! C'est n'importe. Franchement, il a glissé! La voiture a glissé, quoi! Putain! Comment on peut faire une erreur à ce point-là? J'allais tellement doucement pour gérer tout ça. Si, ça... Pardon pour mon langage, mais c'est juste que c'est très énervant et très frustrant. Vous savez ce que je vais faire? Un jour, j'aurai une maison et je vais m'acheter un punching ball que je mettrai juste derrière ma cam. Et je vais vous montrer ce que ça fait quelqu'un qui frappe très fort. Ça a glissé! Juice, tu te tais et tu essayes de faire comme tout le monde qui ne sait pas jouer au jeu. Donc voilà, tu explores, tu fais tes calls, voilà. Tu tombes parce que t'es une grosse pizza. Est-ce que vous êtes comme ça dans la vraie vie en fait? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui sont comme ça dans la vraie vie? Genre il y a des gens qui ont une discussion à côté et t'arrives en mode yo yo ça va ou quoi? Ouais ouais super. Je peux vous dire que si je suis en train de parler avec quelqu'un et quelqu'un arrive, je le regarde, je fais tu peux fermer ta gueule 2 minutes et genre je continue la discussion en mode. Ah, je peux vous dire, me coupez jamais la parole. Hein. Parce que sinon, je vous coupe les mains. Yes! C'était pour vous montrer Frankie. Go vocal avec Kenny. Non! Je veux pas aller vocal avec Kenny, je le déteste. Je déteste tout le monde. J'en ai marre des gens débiles. C'est très bon d'entretenir la drama. Bah oui, ça fait de la pub. C'est ce qu'il faut. Tu devrais faire un mapping à deux avec Zera, ça serait drôle. Bah non, c'est sa track Mania Cup. Imaginez, je fais de meilleures maps que lui après. Les gens vont vouloir que je fasse des maps et tout, c'est chiant. Alors que je suis nul et tout, je vais me faire juger. Ouais, t'as carte plus la merde. Après, ça va être. Je vais faire un remake Zaboutine sur League of Legends, mais moi, ça sera sur Trackmania. Ça va être terrible. Je veux pas de ça. Yo, gros. Yo. Qui veut nous rejoindre? Kenny. Aïe, aïe, aïe. Après, je déteste Kenny personnellement. Mais il est dur à cerner. Bah, c'est pas qu'il est dur à cerner, c'est invendu. Ouais, non, je trouve aussi. En fait, il a du sang italien et genre en plus il est sicilien, tu vois. Et genre il renie tellement sa origine que ça me perturbe en fait. Genre je me dis en fait tu peux pas avoir confiance à ce mec là. Il pense souvent dans mon dos, ça je sais. Non mais de toute façon il fait partie du groupe, tu sais, des gens en fait qui stream, qui dit de bonnes choses mais qui parlent dans le dos des gens. C'est pour ça en fait maintenant j'hésite vraiment à faire des duos avec des gens et tout juste pour ça, tu vois. Mais même Zera, tu vois. Ah non, Zera, je pense qu'il est à chaque fois fiche. Non, mais toi, tu devrais rien dire. Mais moi je le déteste, tu vois. Non, mais en vrai, mec, moi, j'en peux plus de lui, tu vois. Genre, en vrai, ouais. Tu vois, c'est le seul, entre guillemets, qui peut mal me parler tout sur Internet. Mais tu vois, j'en ai un peu marre, tu vois, de ça. Ouais, que les gens sont là en mode LOL, Juice, tout ça, tu vois. Il sait qu'il est au-dessus, hein. Bah ouais, mais c'est ça le problème, tu vois. Mais moi, j'en ai un peu marre, parce que tu vois, si genre mon père voit qu'il me parle comme ça, tu vois, y a moyen que genre ça part en couille, en vrai. Le premier qui touche encore une fois la tête de mon gamin, je lui explose la tête. Et en fait, c'est des gens, ils arrivent pas à cerner le problème eux-mêmes. Du coup, si tu leur dis pas, bah ils continuent et puis ça fait drama et puis c'est chiant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, il y a Fukano sur mon chat, tu vois, je me suis un peu mute histoire de parler avec toi. Genre, lui, c'est pire, tu vois. Ah non, je le connais pas, mais... Tu connais pas le mec qui joue à Pokémon, là? Non, mais... Ah oui, le mec, c'est le jeu, c'est Pokémon et Minecraft. C'est le chien en feu? Ouais. Ah, je connais. Ouais, ouais. Genre le mec joue à Minecraft et à Pokémon, et genre là il s'est mis à Fortnite parce que c'est tellement hypé. Et genre, mais c'est insane. Et le pire c'est les viewers, mec, les viewers sont complètement genre... Ah mais t'es en live, Karl? Ah, oui, non mais t'inquiète. Ok, tu m'amules, j'espère, enfin. Non, bah oui, t'inquiète, okay. Personne qui a perdu. Et genre, la map là, t'en penses quoi en vrai, là? Bah j'étais en live, gros, c'est la meilleure map. Putain, mais comment tu mens, quoi? Ouais, mais là, j'ai arrêté quoi, mon live, il y a genre une demi-heure, tu vois, du coup. Ça me fait un peu souffler, ouais, tu vois. Comme ça on peut parler des vrais trucs. J'aimerais qu'on revienne à Kenny. Il y a des cheveux blancs maintenant, je sais pas si t'as vu. Oui, MDR. Ouais, je sais pas non, ce qu'il a voulu faire, mec. Je pense que c'est la drogue, man. Je pense qu'il est malade, en vrai.
Après, je crois que c'est depuis qu'il est chez GVTV, je sais pas. Il a un peu changé par rapport à ça. Genre, tu vois, il est là sur GVTV, il est là en mode bonjour, je m'appelle Kenny, je suis français. Et là, tu vois, j'ai éteint direct le stream en fait. Genre, le mec est sicilien, tu vois, de sang. Il dit qu'il est français, quoi. Enfin, genre. Après, je comprends, il veut s'intégrer, tout ça, pour qu'il y ait plus de viewers français, je comprends. Mais tu renies pas ta patrie, tu vois ce que je veux dire. Genre, l'Italie passe quand même plus. C'est dans ton sang, quoi. Moi, personnellement, c'est pour ça que je lui parle plus. Hein. Parce que je m'étais dit, super, un streamer avec qui je peux parler italien, tu vois. En fait, pas du tout. Il est complètement chauvin, il respecte rien, de toute façon. Non, mais rigole pas, enfin, genre, c'est insane. Comment ça, Kenny, il sait qu'on parle de lui? Il vient de nous mentionner, il veut juste l'attention, je pense, à ce moment. Non, mais je pense, c'est quoi? C'est juste. Je sais pas si tu connais Moment. Ouais. Bah, c'est un peu pareil, en fait, il mentionne un peu tout le monde, mais c'est juste pour la hype, t'inquiète. Je pense qu'il fait juste. C'est un bluff. C'est un bluff, il sait pas, il veut juste savoir si jamais on peut lui répondre. Tu vois, Moment, en fait, dernièrement, on a fait un partenariat avec lui. Et il nous mentionne tout le temps, tu vois. Genre, même quand il va se doucher, il me dit, ouais, c'est super bien, je vais me doucher. Merci à mes potes MV, Zera, enfin, Juice, tout ça. Et maintenant, il y a Nem en plus de ça, parce qu'on doit faire une LAN Fortnite avec, tu vois. C'est super chiant, mais. Au pire, tu leur diras à Toulouse, mais de toute façon, à Toulouse, tu sais, on va manger tous ensemble. Enfin, quand je dis tous ensemble, c'est Zera, toi et moi. Pour le moment, faut pas leur dire. Genre, vraiment, il faut essayer vraiment de garder ça pour nous, parce qu'en vrai. Il y a beaucoup de gens bizarres dans le milieu, je trouve. Ah, mais ça, mec, mais ça, c'est à cause de pas mal de trucs, en fait. Comment? Quel truc? Je veux mais... savoir. Enfin, tu le sais, quoi. La testasse, les filles. Les gens changent. Ah non, mais les filles, ça cause aucun problème. Peut-être l'argent, l'argent rend fou, je sais pas. Même à renier sa nationalité, enfin, je pense que c'est juste niveau argent, ouais. Non, mais tu vois, genre là, après mon live, je vais tweet en mode yop, bah merci en tout cas pour cet après-midi. Merci, bon moment, htdplace.fr, @Zerator, tu vois. Ouais, tweet Zerator, puis dis. Oui. Yo les mecs, merci pour la journée. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Hashtag retweets are appreciated. Voilà, exactement. Okay, je et normalement, à ce moment-là, tu verras, bah, en dessous, il y aura genre Kenny, Moment qui vont parler pour utiliser l'arrobas de Zera, tu vois. Ouais, en mode, ils vont dire, ouais, n'hésitez pas. Puis il y aura peut-être Sardosh qui va arriver en mode en disant, ouais, c'est Israël qui a gagné hier. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Exact. En vrai, moi, je. Enfin, c'est pour ça que moi, je traîne pas avec les streamers, en vrai. Non. Je préfère traîner avec des mecs comme toi, tu vois, genre. Les joueurs. Je trouve que c'est beaucoup plus optique, quoi. Ouais, genre, je vais mentionner beaucoup plus. Non, mais il faut que tu mentionnes, mec. Si tu veux monter, il faut mentionner. Si tu mentionnes pas, tu peux rien faire, en fait. Les gars, je fais un petit giveaway pour participer. Oui, voilà, par exemple, ça, tu vois. C'est retweet et like et follow moi et Juice. Oui, mais... Faut qu'on fasse ça. Attends, tu sais ce qu'on dit? Si vous voulez gagner une voiture de l'écurie ZT, @Zerator, n'hésitez pas à follow Juice et Carl Junior. Mec, c'est dommage parce que si j'étais en live, je pense que ça aurait été vraiment marrant. Moi. J'ai plus de 4 heures. Mais mec, t'étais en live? Non, mais de toute façon, après. Pour te sortir de cette histoire-là, ouais. Oui, vaut mieux que tu dis ça. Tu dis, bon, Zera, pour toi, c'était rigolo, mais pour Kenny, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'à chaque fois Kenny, tu vois, il arrive sur le stream à Zera, c'est juste pour qu'il entende Kenny. Tu vois ce que je veux dire. Merde, il est courant. De quoi, Fuka? Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr qu'en plus, tu vois, là, j'ai un message de Fuka, et je pense que c'est Fuka qui est allé balancer à Zera, tu vois. 100%, mec. Parce que Fuka, depuis un moment, tu vois... Il veut prendre notre place dans l'équipe. Non, mais tu vois qui c'est Fuka ou pas? Tu vois, il faisait genre masse truc avec Zera, là. Et depuis, en fait, là, ils ont fait un peu... Tu vois, ils ont un peu temporisé, là. Parce que Minecraft, ça a chuté, en fait. Genre, maintenant, tous les mecs de Minecraft, eh ben, ils vont jouer à Fortnite. Non, mais en vrai, mec, l'e-sport, c'est vraiment pas un truc pour nous. C'est retweet et like et follow moi et Juice. Souvent là, actuellement, il y a souvent des streamers, ils sont là en mode, ils disent est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un métier, tu vois, en tant que streamer? Ouais, toi t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est vraiment pas un métier en vrai, tu vois. En gros, je veux dire, genre, je pense qu'ils font surtout ça pour la hype, tu vois. Ils font juste jouer à des jeux vidéo, ils font rien d'autre, puis. Oh, sérieux, va travailler, no joke, non? Non, mais oui, clairement. Genre Zera, il est là, tu vois, il fait des maps. Exact. Et genre, il gagne de l'argent, tu vois. Et moi, je suis là en mode, bah, va faire un mur, quoi. Et il est là en mode, c'est quoi un mur? Non, mais les gens, en plus, le truc, c'est que les gens sont tellement détestables.
Mais genre, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre rien que pour créer ce genre de carte. En fait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites en fait? Que les gens t'aiment? Non. On peut juste te détester. Je pense pas, non. Je pense que j'aurais des problèmes si j'étais en live et que je disais tout ça. Attends, est-ce que t'étais en live? Là? Ah non, non, je suis juste en train de jouer sur Trackmania. Enfin bref, vas-y, tu sais quoi, je te laisse. On se fera une autre discussion privée comme ça pour parler des gens. C'est vraiment intéressant. Yep, écoute, bah aucun problème, fais-moi juste signe. Bisous, bonne fin de soirée du coup. Yo, bisous. Ciao, ciao. C'est retweet et like et follow moi et Juice. Bon, bien entendu, je rigole, MDR. Hein. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, merci beaucoup à vous. Putain, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup parce que je dis de la merde, c'est insane en vrai. Vous venez même pas pour le contenu, mais vous venez pour le streamer. Mais écoutez, tant que vous êtes sur mon stream et pas sur la TKD, moi ça me bat en vrai. C'était un énorme plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec le générique de fin. Merci aux nouveaux abonnés de la Juice TV, merci beaucoup. Et merci encore aux resubs et aux gens qui y pensent. Parce qu'il y en a qui oublient, et ça c'est terrible. Vous voyez, ça, comment on peut appeler ça un travail, les gens qui oublient. Enfin bref, je vous aime, de gros bisous, j'espère que vous aurez passé une bonne fin de live les amis, c'était un plaisir et n'oubliez pas, Internet, c'est juste des gens rigolos. Ciao.